Salut à tous les gars, c'est Sylvain Angel, comment vous allez? On se retrouve pour la vidéo de la 150 RXF Freeride. Une tuerie les gars. Donc c'est la vidéo que vous attendiez tous. Donc je vais vous présenter la 150. Je vais pas faire une grande présentation, hein, parce que si vous allez sur le site de Apollo, ils vous expliquent vraiment en détail tout ce qu'il y a et tout. Donc vraiment, c'est complet ce qu'ils expliquent, ça va dans les moindres détails. Il n'y a vraiment pas de souci, vous allez voir, je vous mettrai le lien en description. Moi, ce que je vous expliquais, c'est ma vue, mon avis que j'ai sur cette moto-là. Donc je l'ai déjà ridé, vous l'avez vu que je l'ai reçu, je l'ai monté, on l'a monté nous-mêmes. Moi, après, c'est mon avis personnel que je vais vous donner et comment je la vois. Donc voilà, après j'espère que ça va vous plaire et que ça peut vous motiver à en acheter une. Parce que moi je vous cache pas, j'en suis tombé amoureux. Franchement, une super moto. Bon allez les gars, c'est parti. On va commencer par le début. Hein. Donc déjà vous avez vu que c'est des grandes roues. On est en 16-19. Donc 19 pour l'avant, 19 pouces. C'est carrément une roue de motocross 125. Hein, ce qui correspond à la roue arrière d'une 125. Derrière, on est en 16, donc c'est vraiment des grandes roues, vous pouvez voir. Et c'est très agréable à rouler, puisque du coup, il y a plus d'allonge. Donc c'est vraiment le top. Ça, sur les grandes roues, c'est vraiment pour ça que je l'ai choisi. C'est une des plus grandes, hein. Il n'y a pas plus grand au niveau dirt. Alors, j'ai pas envie de dire dirt, parce que pour moi, ça correspond pas du tout à une dirt. Vous allez voir après pourquoi. Moi, c'est vraiment une mini motocross. Enfin, une mini motocross. Une motocross, on va dire, plus petite qu'une 125, quoi. Donc, vous allez voir, parce que là, on peut voir ici. Donc, là et là, on a un cadre en double poutre. Là, double poutre. Je peux vous dire que c'est une rigidité incroyable. Un truc de fou. Ensuite. On va retrouver des choses de la dirt, ça je suis d'accord, mais il y a beaucoup de choses que vous allez voir qui correspondent à une motocross, dont les cale-pieds déjà. Là on se retrouve vraiment dans les cale-pieds motocross, c'est les cale-pieds moulés, ils sont vraiment au top. Sélecteur, bon, on retrouve un sélecteur voilà, de dirt, le moteur ben, c'est des 150, je pense que c'est, vous voyez, c'est du Gonq. Bon, voilà. Gonq, des très bons moteurs. C'est un moteur qui développe pas mal et du coup en fait en 150 avec des grandes roues, je peux vous dire que ça n'a plus rien à voir. Si je change le kitchen et puis que je mets un kitchen de pointe, pooh, ça va être une tuerie. Donc pour le cadre en double poutre, c'est simplement ultra rigide. Plus rien à voir avec le petit cadre de dirt, c'est vraiment une tuerie. Après on a la fourche qui est deux fois plus grosse qu'une normale. Hein. Là vous voyez, on est vraiment sur une fourche... Une fourche de motocross. Hein. Alors après tout ce qui est dimension et tout, je vous mettrai le lien. Je vais pas tout vous dire exactement les millimètres, les machins comme ça, parce que Apollo s'en charge très bien. Donc moi je vais vraiment vous donner mes avis, comme on y voit. Voilà. Donc là la fourche elle est plus grosse que les, vous voyez sur ma main, elle est plus grosse que sur les dirt normales. Pareil de chez Volt. Volt c'est vraiment une tuerie au niveau compression et tout, qualité de roulage, c'est vraiment le top du top. Qu'est-ce qu'on a? On a un guidon en 28, on n'a plus de barre au milieu là, on n'a plus rien. Là on a du guidon en 28 mm, c'est pareil, c'est très rare aussi ça, avec des pontets donc dessous la mousse. Vous voyez là, ça passe à travers la mousse, c'est vraiment bien fait. Donc voilà le poste de pilotage, un bon guidon en 28, c'est vraiment appréciable, ça fait vraiment stylé je trouve.
Après les carénages qui sont changés aussi, qui ressemblent beaucoup à ceux de KTM, vous voyez, tout ensemble là. C'est vraiment. Donc on peut les démonter un par un. Et ça sur les dirt, ça n'existe pas non plus, donc c'est vraiment unique. La selle se démonte toute seule aussi. Vous pouvez enlever juste la selle et avoir accès à l'intérieur. Après, on a du volt à l'arrière en amortisseur. C'est vraiment une tuerie aussi. Moi je vous dis, je fais 100 kg, je la ride, elle bouge pas franchement. Donc franchement, c'est vraiment du très bon amortisseur. Après, on passe à l'échappement. L'échappement qui est simplement magnifique et qui a une sonorité incroyable. Vous le verrez quand je la riderai. Il est magnifique cet échappement, regardez-moi ça. On dirait vraiment un échappement d'un 4,50 ou d'un 4,26. Il est vraiment très très beau. Et il n'y a pas de chicane dedans. Il est vraiment au top. Donc après le kick, bon, ça reste des kicks normaux. Et ça, je voulais vous montrer ça. La pédale de frein. Donc vous avez vu sur les darts, ça passe plus en dessous. Mais ça passe au-dessus du cale-pied. Et ça, il n'y a que sur les motocross qu'on y retrouve. Ça, franchement, je peux vous dire que ça change tout aussi. Honnêtement, c'est vraiment le top du top. Là-dessus, ils ont fait du bon boulot. Un frein vraiment rigide et tout, c'est vraiment agréable. Un truc de fou. Derrière, bon, le mètre cylindre avec une protection. Bon, ils ont mis pas mal de petites choses, hein. Moi, c'est des choses après que j'enlèverai. Après, les carbus, bon, ça reste des carbus, voilà, hein, c'est du très bon matos. Sur la fourche, vous avez vu le kit plastique, c'est vraiment, mais ça vraiment ressemble à une motocross quoi. Honnêtement, c'est vraiment une très belle machine. J'ai hâte de vraiment la rider à fond sur un terrain. L'autre fois on y est allé, mais on a fait une petite session. Il y a un truc vraiment sympa les gars, je sais pas si vous allez le voir, il y a un compteur d'heure là et ça. Ça claque aussi. Compteur d'heure avec de l'autre côté un interrupteur. Ça veut dire que quand vous êtes en temps de chauffe, regardez, interrupteur là. Ici. Quand vous êtes en temps de chauffe, eh ben, vous pouvez vous désactiver le compteur. Ça fait qu'elle ne prend pas les heures. Vous pouvez vraiment compter les heures quand vous ridez, vraiment. Et ça, je trouve ça juste simplement au top du top, honnêtement. Donc voilà, petit tour de la bécane. Moi, je suis vraiment tombé amoureux de cette bécane. Honnêtement, elle est vraiment au top du top. C'est vraiment une petite machine de cross. Pour ceux qui n'ont pas trop les moyens, c'est vraiment une très belle machine. Et du coup, voilà, elle est à 2000 euros. Moi, je l'ai payé en 3 fois. Donc franchement, le mode 3 fois, je l'ai essayé, c'est vraiment la classe. Vous payez ça en 3 fois, vous êtes prélevé 3 fois automatiquement, ni plus ni moins, 1999 euros, c'est très bien, et franchement, je peux vous dire que c'est la classe. Sinon, j'aurais jamais pu me la payer. Donc pour tous ceux qui veulent, qui en veulent une, vous pouvez vous la payer en 3 fois, il n'y a pas de problème, c'est vraiment agréable. Et en plus, les gens de chez Apollo, on peut les appeler, ils sont à votre écoute, il n'y a pas de problème. Ça fait plaisir ça, parce que c'est pas souvent qu'on puisse parler aux gens qui vendent les produits. Donc voilà, vraiment une très belle machine. Sur le site, on peut voir aussi plusieurs pièces qui vont arriver. Hein. Non seulement des carénages de couleurs, je pense des kits stickers. Donc il y a pas mal de choses qui vont arriver. Apparemment, j'ai eu écho, mais bon, ça reste à vérifier, qui vont peut-être la sortir en 190. Donc là, ce modèle-là en 190, ça va être simplement une tuerie. Donc voilà les gars, c'était la petite vidéo de la RXF. Ça m'a fait plaisir de vous la présenter. Elle est vraiment au top cette bécane, regardez-moi ça. Vraiment une petite motocross. Et quand je vais la rider, ça va envoyer du lourd.